4 raisons de jeter votre pot de Nutella. Voici les 4 ingrédients tirant la sonnette d'alarme. 1. Le lactose rhum, le petit lait. Le lactose rhum est un sous-produit de l'industrie fromagère. Il provient généralement de vaches nourries d'OGM, d'antibiotiques et d'autres hormones. Bien que le lactose rhum en poudre ne soit utilisé que comme conservateur empêchant la coagulation du produit, il est aussi mêlé à des utilisations agricoles malsaines. 2. La lécithine de soja. La lécithine de soja est le résidu qui reste lorsque l'huile de soja passe par ce qu'on appelle un processus de dégommage. Le produit résiduaire contient divers pesticides et des solvants. Il est principalement utilisé comme émulsifiant qui empêche l'eau et la graisse de se séparer dans les aliments courants, comme la margarine, le beurre d'arachide, et la crème glacée. Il devient dangereux parce que 90% du soja n'est pas cultivé biologiquement et cela peut conduire à des problèmes immunologiques ainsi que les allergies. 3. L'huile de palme. L'huile de palme est extraite du fruit de l'arbre du palmier à huile et se retrouve dans la plupart des friandises. Il y a un certain nombre de problèmes posés par l'huile de palme, à la fois pour l'environnement et la santé. L'huile de palme peut augmenter le taux de cholestérol dans le sang et est une des principales causes de la déforestation en Asie du Sud. 4. La vanilline. La vanilline n'est pas comme son homologue, la vraie vanille, parce que la vanilline a juste l'odeur et le goût de la vanille. Ce n'est rien de plus qu'un produit chimique qui peut être fabriqué moins cher que la vraie vanille. En fait, il s'agit principalement de MSG, E621, glutamate monosodique, avec du sodium et de l'eau. Dans le corps, le MSG est une excitotoxine, ce qui fait que notre cerveau pense que le Nutella a un meilleur goût qu'il n'a réellement pas. Sinistre. Elle est également responsable d'un certain nombre de problèmes neurologiques comme la dégénérescence olivopontocérébelleuse, la maladie de Parkinson, la maladie d'Alzheimer, la maladie de Huntington et la maladie de Charcot ou de Lou Gehrig.